Les gars m'ont lavé hier en commentaire, m'ont insulté sur ce post. Je veux dire, cette photo que j'ai postée sur ma page en disant Valsero passe un message à Malos. J'ai constaté que les gars n'ont pas compris. Et les gars ne sont même pas allés sur la page du général Valsero pour comprendre le sens de mon post. C'est Valsero, je n'ai pas inventé, autant pour moi, je n'ai pas inventé la photo. C'est Valsero qui poste cette photo sur sa page avec un message que par après, avec la pression aussi des commentaires, il a changé le titre. Il a d'abord mis un premier titre, je lis. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. Et si tu es méchant, il va te refuser. Ça, c'est le premier titre. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. Et si tu es méchant, il va te refuser. Attendez, le titre là est centré pour qui? Un titre pareil. Nous savons tous qu'actuellement, Malors lui traite de tous les noms d'oiseaux. Et quand quelqu'un poste, fait un post avec ses enfants, il met ce genre de titre. C'est pour qui? Donc moi, je suis venu récemment, j'ai pris la photo, j'ai posté, j'ai dit que Valsero passe un message à Malors. Et même dans les commentaires, quand on lit les commentaires, on comprend que le message était centré pour Malos. Maintenant, certains sont venus dire que oh, je ne suis pas quelqu'un de bien. Je vois deux frères qui bagarrent. Je viens mettre le feu au milieu. Non! Je viens mettre le feu au milieu comment? Parce qu'il y a eu... Malos est même venu, quand j'ai fait mon poste. Malos est venu sur mon poste. Il a écrit, le matin, il est bilingue. Le soir, il est parent. C'est ce que ça veut dire, il rit. Ça, c'est le commentaire de Malos sur le post que j'ai fait sur ma page. Mais il y a beaucoup qui ont répondu à Valsero sur sa page. J'ai lu un commentaire, en fait, qui lui faisait comprendre que la paix, c'est dans l'âme. Que la meilleure paix, c'est la paix de l'âme. Donc, ceux qui viennent dire que, parce que j'ai lu d'autres m'écrivent, d'autres, quelqu'un est venu carrément dans mon IB me demander si je suis tchèlé. Et d'ailleurs, même si je suis tchèlé, c'est pour moi et c'est pour ma famille. C'est vrai que c'est interdit au pays. Maintenant, quant à ce qui concerne mon soutien à Valsero, je soutiens Valsero l'artiste. Je ne soutiens pas Valsero pour le reste. D'ailleurs, même qu'il n'y a pas de preuve. Ok, on nous a manqué les pulls et les lunettes qui coïncident. Je ne vais pas aussi nier cela. Quand ta Malors, quand j'ai fait une vidéo dernièrement où Malors a fait une sortie sur Brenda, tout le monde me dit que non, vraiment, tu as raison, il est le king. Il faut lire les commentaires, comment c'était bien. Mais quand tu fais un post qui est contre Malors, tu es plutôt l'ennemi de Malors. Les Camerounais. En fait, la seule question que je voulais poser à Malors dans ma vidéo aussi, c'est de savoir, Malors, pourquoi tu attends 2025 pour tirer sur Valsero? Parce que depuis que je vous lis tes multiples posts, là, ça m'a comme, j'espère qu'après 2025, ton combat va continuer et que tu vas aussi détecter d'autres tchèlés et venir sur scène. Bah, toi, tu as dit que tu connais beaucoup le challenge. Pourquoi ce n'est que sur Valsero que tu signes? Ça, c'est une question. Et pourquoi c'est à la veille du 2025 que tu signes sur Valsero? Ouais, moi, sinon, là, je flexe. Hein. Et les gars disent que, oh non, il a tiré sur Brenda. Il a tiré sur... Blaguer avec les mises en scène. Hein. En tout cas, il ne dit pas que c'était une mise en scène. Ça, c'est mon opinion. Hein. Et il ne faut pas qu'après, tu as dit que Malors mentait ou Malors disait, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas moi contre Malors. Je suis contre personne des deux. Les deux sont mes grands frères. Ils sont tous Camerounais. Et je les love. Donc, de la même manière que je love Malors, c'est comme ça que moi, je love Valsero. Voilà. Et les deux sont des courageux. Félicitations encore, les gars. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés,
une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesa City, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.